Salut à toutes et à tous les amis, c'est Dragonader et on se retrouve pour la quatrième partie de The Erebus, le monde des insectes. Donc là, j'étais sur l'herbicide, qui est vraiment pas mal. Alors, regardez ça. Vous faites clic droit sur un bloc, hop là, vous détruisez le truc. Donc vous pouvez faire des ravages avec quoi. Voilà, c'est énorme. Fait clic droit et ça casse tout là. Ouais. Donc le compost, c'est. Alors regardez, c'est comme, comme la poudre d'os. Hein. Ça fait pousser les plantes. Voilà, l'herbicide. Ben, la poudre d'os, je vais en avoir besoin. Parce que là, il ne reste plus que ça et ça. Donc, je vais faire peut-être une partie 5. Ça dépend. Alors, ça, j'ai oublié de vous les montrer. Ce sont des seaux à boire. Anti-venom et Beetle's Sweet Bucket. Je sais pas ce que c'est, ce truc. Dégueulasse, hein. Je vous les... Oh! Oh, ça m'enlève tous mes effets. Ok, ça vous enlève tous vos effets comme le lait. Et ça, c'est de... Ça, c'est pour vous protéger du venin. Voilà, vous l'avez en bouteille un peu plus petite. Hein. Parce que là, sinon, vous n'allez pas y arriver. Donc, ça, c'est fleurs à faire pousser. Ah, merde. Si je jette la poudre dedans, ça va pas aller. Voilà, donc, je vais vous la montrer. Là, c'est une fleur. Hein. Mais ce sont des fleurs particulières. Hein. Je vais vous montrer. Alors, il me faut un endroit assez libre. Là par exemple, ah voilà. Par exemple, là, regardez. Il faut mettre un peu longtemps hein, pour la plante. Ça met longtemps. Allez, fleuri. Fleuri. Il pas qu'à passer d'endroit. Mais allez, c'est pas grave. Il faut un endroit un peu plus dégagé, je pense. Ouais. Ouais, bon. Là-bas, peut-être. Ah non, mince. Par là, je crois. Ah! C'est pas possible, ça. Il est tout dedans. Peut-être là, je ne suis pas sûr. Merde. Ouais. Ouais. Ah! Ah ben mince, là, je sais pas hein, ce qui se passe. Alors, je sais où en trouver des vrais. Alors, il y en a un hein, des fleurs ici, mais c'est compliqué hein, le truc. Je sais pas où en ch trouver, où en chercher. Je suis pas sûr comment on fait du bois. Ça. Ah, je suis vraiment désolé, mais je ne sais pas pourquoi ça marchait avant. Et là, tout à coup, ça me fait ça. Là. Je ne sais même pas pourquoi. Bon. Ben, on aura essayé. Mais... J'en ai marre. Hein. Ça lag. Peut-être que je bouge trop vite. Non, pas du tout. Là. Mais. Ah! Désolé pour les fleurs. Hein, mais... Alors, attendez. Peut-être que j'ai un truc. Je sais encore peut-être ma dernière chance. Mais bon. Alors, il faut vraiment espérer là parce que. Là, c'est vraiment un endroit. Bien dégagé. Alors que peut-être ça pourrait pousser. Allez, oui, voilà, c'est bon. Voilà, donc ça vous fait une fleur géante. C'est énorme. Ça vous fait une belle fleur. C'est ça, il fallait un endroit vraiment beaucoup plus dégagé que ça. Donc ce terrain-là, c'est parfait pour faire des fleurs. Donc il y en a d'autres encore. Hein. Voilà, donc c'est pareil, hein, la fleur. Hein. Donc, vous en avez plein là. Hein. On va essayer la black. Ah! Voilà.
Attention. Allez, marche, 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 marche. Oui! J'en étais sûr, il faut des endroits bien dégagés. Comme les sables, là. Voilà, donc ça vous fait une belle fleur noire. Avec un beau bouton, là. Ensuite, il y a la rouille. Mais attends, on va déjà tout de suite passer à la couleur rébus. Parce qu'elle, elle est très, 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 très belle. Et il faut énormément de place. Allez, 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 on espère. Oui! Oh, fin! Oui, oh, elle est belle. Pourquoi elle est que violette en fait? Oh putain, pardon, excuse-moi. J'ai pas fait exprès. Wow, elle est belle celle-là. C'est géant. Si, il y a plein de fleurs là, il faut des endroits bien dégagés en fait. Alors vous avez toujours voulu faire ça, je sais pas pourquoi. Attendez. Voilà, je vais éclater le bouton là. Voilà, ça c'est une source. C'est une source lumineuse. Il y avait celle-là aussi. La blanche, mais qui n'est pas vraiment blanche. C'est bientôt fini. Allez, 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 allez. Oui. Voilà, donc. Hein. Je vais pas vous montrer toutes les fleurs, parce qu'il y en a beaucoup. Elles sont de différentes formes, mais il y en a énorme. Donc, je pense, je sais pas. Est-ce que ça, je me demande si je vous l'ai déjà montré ça. Et ça. Je me souviens plus. Je sais pas. Non. Alors, regardez ce que ça fait. Je vais quand même vous le montrer au cas où. C'est un insecticide hein, pour que les insectes ne passent pas. Voilà. Vous êtes empoisonné hein, si vous allez en mode survie là-dessus. Et ça, c'est pour rappeler les insectes. Oh! Putain! Voilà, donc voilà. Hein. Ça rappelle tout le monde. Ça rappelle les insectes. Je crois que ça vous suit. Ouais, ça vous suit. Je suis pas sûr. Ouais, ça vous suit. Alors, ah pas... Bon, les amis, l'enregistrement est bientôt terminé, mais on a le temps. Alors, on va vite passer aux arbres. J'ai toujours besoin de la poudre d'os, mais bon. Je vais devoir faire une partie 5. Je me souviens dans Twilight Forest, ça a été la galère. Voilà, ça a été vraiment génial. Donc, on va prendre tout ce qui peut être utile. Bon, après ces arbres, je vais être obligé d'arrêter, je pense, parce que ça va être trop. Je vais les planter là parce qu'il y a beaucoup d'espace. Allez, allez, celui-là. Non, vas-y, j'ai pas le temps là maintenant. Hop là. Allez, pousse. Allez, petit arbre. Allez. Attends, attends. Faire un peu de place. Allez, pousse. Pousse, 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 pousse. Allez. Ah, bon, c'est pas grave. On va essayer un dernier. Essayez tout. Allez. Oui, voilà, voilà. Donc voilà. Hein. C'est un arbre tout bleu. Hein. Ils sont là-bas. Donc les amis, c'est sûr. Cet arbre que je vous dis à bientôt pour la cinquième partie de The Erebus, le monde des insectes. Donc je vous dis à bientôt.